C'est Redcov, j'espère que vous allez bien. Attends, je vais redire un petit salut à tous parce que ça se peut qu'avec la PlayStation ça bug bien sûr. Et donc j'espère que vous allez bien parce que voilà, des fois quand je fais des vidéos sur PlayStation, je fais un salut à tous et des fois bah, le salut à tous est coupé. Bref, je suis donc voilà. Donc cette fois-ci, on se retrouve sur Detroit Become Human. Voilà, tout simplement. Je sais pas si en anglais on dit Detroit ou Detroit, je ne sais pas. Voilà, c'est le tout nouveau jeu de PlayStation, hein, PS4 bien sûr. Le jeu Sony, voilà. Donc on va commencer l'histoire. Hop, ok, 20h29, très bien. Hop, 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 il s'éclate à donf. Hop, 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 oh là. Très bien, très bien. 70. Liberty. America. Sa tête me fait penser à un ami à moi. Je vais lui demander s'il a joué le personnage. Ok, en gros on a le déplacement. C'est plutôt pas mal. Les visages sont assez bien faits. Qu'est-ce qui se passe? On dirait une scène de crime. John Phillips, né le 11-10-99, domicile machin bidule. Caroline Phillips, 23h05-2001. Ah, 2001. Ah, c'est cliché, ok, ne vous inquiétez pas. Et Emma Phillips, née le 02-09-2028. On est en 2038, donc. Waouh, mais Caroline, on dirait une vieille d'une meuf, une dame de 40 ans. Bon, là, je dis au plus 35-40 ans selon la photo. Mais 38, donc elle a 39 ans. Ouais, 40 bientôt. Et lui qui a 39, 40, 41, 42. Si je dis pas de conneries, c'est 42. Et la petite fille qui a juste 10 ans. Allez, on va reposer ça, la belle photo de famille. On a quoi? Un petit poisson s'agenouiller. Un gouramine. Choisissez en effectuant le mouvement laisser ou le sauver. Bah, on va le sauver, ce pauvre petit poisson. Allez, hop. Coucou, toi. Et blouf. Allez, in the float, comme on dit. In the water. Instabilité logicielle. Comment ça, une instabilité logicielle? C'est un truc qu'il devait pas faire. Ah, j'ai vu elle. Hein. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un autre œil? Venez, madame. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est de la. Vous devez envoyer un véritable être humain. C'est de la discrimination, madame. D'accord. Hello, hello! Ah, pour consulter vos objectifs. Très bien, trouvez le commandant Allen. Ouais. Je sais pas, on peut y aller là. Ok. Parler au CDT. Ok, d'abord. Ok, très bien. Merci. On va voir le commandant. Parlez. Commandant Allen. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. La voix de Connor me dit un truc, je ne sais plus quoi. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. Ok. Si on le descend, mais ils sont sur le rebond de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Très bien. Choc émotionnel, code de désinhibition. C'est un androïde. On va lui donner le code de désinhibition. Avez-vous essayé son code de désactivation? Oui, on a déjà essayé. On va lui demander, je sais pas, non, le nom pour peut-être autre part. Comportement, il est un peu fou, peut-être son choc émotionnel. Il a récemment vécu un choc émotionnel. Écoute. Quoi? La priorité, c'est de sauver cette gamine. Merci, mais il me faut les informations. Putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Ok, oula, j'ai que 48% de probabilité. Comprendre ce qui s'est passé, sauver l'otage à tout prix. Analyser, très bien. Alors j'ai vu le petit logo. Alors, ok, maintenant triangle. Alors j'aime bien, il nous aide à trouver les objectifs. Ah, pardon. C'est quoi? Vitesse initiale, munition de calibre 9 mm. Ok, oui, vraiment, ils mettent l'énergie, le poids de la balle. Et Black Hawk MS853, capacité 17 balles, longueur totale 20,32. Ok, on va reconstituer. D'accord. Allez. Alors je pense que la barre jaune, c'est un truc important. D'accord, maintenir triangle. Le déviant a pris l'arme du père. Bon bah retour. Vu que je pense qu'il n'y a rien d'autre.
Donc ok, le déviant a pris l'arme du père. Ah là là, c'est ça les Américains. Ok, il y a un truc là-bas. Localiser l'otage, comprendre ce qui s'est passé. Alors peut-être il faut fouiller un peu tôt. Fouiller la chambre de l'otage. Donc qui est la petite fille, je crois. Parce que la mère disait, ne l'emmenez pas, s'il vous plaît. Lecture. D'accord, donc ça doit être l'androïde en question, j'imagine. Daniel. C'est vraiment un nom de PD, ça. Je aime tous les Daniels. Ah, on augmente la probabilité de réussite. Écoutez. Yeah. Motherfucker. Enfin, on n'a pas entendu les coups de feu. Ah, il y a eu des coups de feu, donc... 61%. On augmente les probabilités... attendez, parce que hop, allez, ok. Donc, allez, on va analyser. Donc, le papa il est mort. Ok, il est mort. Il est mort à 19h29. Très bien. Hémorragie de la partie supérieure du pneumothorax. Blessure par balle de calibre 9. Rein gauche perforé. Traumatise. Ok, ouais, c'est son rein. Son rein a pris un coup cher. Et là, on a quoi? C'est son poumon qui a pris cher. On va constituer. Alors. Oh, hop là. Ah non. Papa la papa papa la 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 la. On est sadique. D'accord. Le père tenait quelque chose, donc on va revenir en arrière. Waouh, regarde, hop là et waouh. Ok, très bien, pour dire qu'il est là-bas. Allons récupérer ça. Sortir. À attaquer, probabilité de réussite, on va le prendre. Prenons-le, on va aller le déverrouiller. Ah, il allait être remplacé, c'est peut-être pour ça qu'il s'énervait. Mais ça veut dire que l'androïde a une conscience et qu'il n'agit plus selon ce qu'il doit faire. Peut-être qu'il agit. Wow. Ok. Ok, l'analyser. L'officier a été le premier sur les lieux. Ok. Attends, blessure... ah, le ventricule droit, donc en plein cœur. Collecte de données, officier Anthony Descartes. Ok, il est mort à peu près une heure après le père. Et là, on a quoi? Résidu de pouce, donc il a dû tirer. Allez, constitution inachevée. Wow. Regardez le geste des pains. Je fais la magie. Regardez, vous voulez quoi? Une carte noire? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que c'est le roi de trèfle? N'ai-je pas tort? Allez, hop. Wow, t'as vu? Hop là, vous avez vu le petit effet du chapeau? Le style. Oh, il fait un dab. Regarde. Oh, le dab de l'amour. Attends, je pense qu'il y a une meilleure position. Il fait double dab hein, quand même. Hein. Oh, il y a dab ma gueule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a une chaussure. Donc, l'otage a assisté à la fusillade. Et le policier a tiré sur le déviant, hein, d'accord. Ah oui, d'accord, on voit. Elle est là en mode allée, lui il arrive, lui il fait demi-tour, blé, il lui a tiré dessus, et lui par contre il est mort comme une merde. Ah, ici on a un truc, c'est quoi? Ah, c'est pour dire qu'il y a le flingue. On va essayer, bah on va aller voir ce flingue, hein, parce que sinon c'est pas un flingue. Hop là! Ok, donc examiner les victimes. Ok.
en position, prêt à attaquer. On récupère ce putain de flingue. Un peu taché de sang. Collecte de données. Le port et l'utilisation d'armes par un androïde sont strictement interdits. On va reposer ça, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les supérieurs. De toute façon, on est des négociants, donc normalement notre but, ça serait de convaincre l'autre en face à faire quelque chose sans aucune bonne... on va aller éteindre ce pauvre truc. Activer le son. Ouais. Ah ouais. Ok, fille, elle est... Ok, c'est un peu plus d'une heure. On va aller éteindre ça. Ça sert à rien. La famille allait se mettre à table. Parce que là, sinon, il faut nettoyer. Ok, donc on a des trucs par terre. On a 71% de réussite. Allez, c'est parti. Analyser. Allez, mange de la popo Fortnite. Ça donne jusque 5 d'armure vu que c'est juste tes deux doigts. Ok, c'est un modèle PL600 série 369. Ok. J'ai même pas eu le temps de lire, c'était génial. La musique, elle est plutôt pas mal. Allez, examiner. Hop, prends cette chaussure. Il y a du sang dessus. Modèle collé, trace de sang humain. L'otage est peut-être blessé. Regardez. Ok, on voit la position exacte. Ah, elle est blessée au genou. Allez, on va essayer de sortir. Allez, hop. Putain, c'est deux. C'est... Hey, doucement les tirs, je suis pas prêt moi. Alors là on voit l'android, il a un truc rouge là, et que moi je suis bleu, je me demande c'est quoi la question. Ok, il y a les snipers. Ok, on va dire son nom. Bonsoir Daniel. Salut Daniel. Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Ok, on est... Ah, devient instable à cause de l'hélico. Approchez lentement. Rassurez Daniel. Je ne veux pas te faire de mal. Je veux juste discuter et trouver une solution. Discuter. Je ah, veux pas discuter. Il est jaune. C'est trop tard. Ah, c'est peut-être au niveau. Ah, de... ce stade. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres, Emma. Oula. Cause possible. Tu as été remplacé par un autre androïde et ça t'a contrarié. Ok, je peux pas m'approcher plus, hein, parce qu'à un moment donné. On va... Ouais, ouais. Non, 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 faut pas dire ça. Compatissant, défectueux, on va être réaliste. Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon camp. Si je meurs, elle meurt aussi. Non, 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 on va éviter. Tu m'entends? Oula. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant. On va accepter, on va accepter. Notre but, c'est essayer de calmer l'androïde. Allez, on leur dit de dégager. Ok, on a deux fois. Bluffé. On va lui inspirer confiance. Daniel. Fais-moi confiance, Daniel. Et je oui. Te promets que tout se passera bien. Ouh, 98%, 2% d'échec. Hein. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir.
Ok, sacrifier, il y a un autre truc qu'on peut pas. Je veux faire trouver un combat. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je veux pas mourir. Le rassurer. Nous allons simplement discuter. Oui, on a le sang pour sauver. Ok. Je te fais confiance. Ah. Second la gamine peut-être. Mission accomplie. Ouais, si on lui aurait dit la vérité, il lâcherait pas la gamine en fait. Donc je pense qu'il se serait suicidé. Alors peut-être il se suiciderait, moi je devrais sauter. Ok, j'ai gagné des points. Des snipers ont abattu le déviant. Ok, ok, donc on a 1, 2, 3. Ok, donc on a 6 fins différentes. Alors, j'ai vu aussi que Connor est mort en protégeant Emma. Alors ça, je pense c'était l'option sacrifiée, je pense. C'est juste, voilà, j'ai juste laissé un ami toucher au jeu, donc bah, je découvre que Connor est mort en protégeant Emma, très bien. Allez, on va faire. Bon, on va s'arrêter là parce que. Bah voilà quoi, c'était. Donc il y a d'autres choix, je pense qu'on peut recommencer. Enfin, je pense. C'était du monde, d'accord, les c'était du monde. C'est 32%, on a battu le déviant. Donc il y a d'autres fins. Bon, je sais pas trop comment on les obtient parce que je vois qu'on a d'autres trucs à obtenir. Donc je vois, je pense que mon pote a dû faire aussi les mêmes choix, j'imagine. Ouais, bah oui, il a juste pris se sacrifier. Donc il y avait mentir, il y avait une autre option, je ne savais pas c'était quoi, je pense qu'on peut le refaire plus tard. Opinion publique sceptique, instabilité judiciaire, on sait même pas c'est quoi. Donc voilà, on va s'arrêter là, je pense que je vais faire un épisode pour chaque mission en fait. Et ouais, dialogue, succès, échec, mort, ok, bouleversement. Bouleversement, je pense, c'est quand t'as quelqu'un d'important qui meurt, bref. Donc en tout cas, voilà, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Sur ce, bye bye et merci encore, allez, bisous bisous.